Hôtel Moncton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Moncton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Hôtel Moncton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Cour Moncton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Broughton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebroughton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Broughton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebroughton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais dans BCLC Kishita dans la Cour Moncton. Numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Broughton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebroughton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Broughton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebroughton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Cour Moncton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Broughton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebroughton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Broughton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebroughton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Cour Moncton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais.
BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Coubocton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Coubocton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Coubocton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Coubocton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais.
BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la cour Brockton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. Good afternoon, everyone. Good evening, good afternoon, bonjour, bonsoir. It depends where are you in on Earth or in the planet. So, I would like to welcome you. Today is our sixth day for the class. And thank you, everyone, for joining us. As you know, my name is Mathieu Delisme. I'm a minister. And I'm here to help you in the English class. So I would like to say hi to my friend, Cherry. Cherry, I greet you in the name of Jesus. Thank you. Thank you for watching the program. All right. So you already know what's going on. And we always start by prayer. We have to do it. We have to start by prayer because we have to invite God or put God first, whatever we are doing. Pas oublier que il faut que nous mettez bon Dieu devant. Faut mettez bon Dieu devant dans tout ça que n'a fait. Invitez bon Dieu. Therefore, we are going to pray. Dear Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you for your mercy. Thank you for giving us the opportunity to be here this afternoon. And thank you for giving us the desire to be able to help others. We pray that you bless all our friends who made the sacrifices to be with us this afternoon. Have your way, God. May this class will be helpful for them. Amen. All right, once again, thank you. Thank you guys for joining us, for following our show, our program, English for Beginners. Nous voulons dire tout le monde merci. Merci le fait que you have suivi le programme, non? Et c'est anglais. Et pour le monde qui fait app débuter. Alors, je dis à qui ça nous gagne dans Jacob. Alors, now, today, what lesson we are going to see today? Okay? Today's lesson will be, now, before we go to today's lesson, so we have to give you, we have to remind you the advices. Because it is very important to remind you. Okay? Very important. Quelques conseils avant de commencer. It is very, very important to remind you those advices before we start. Four things you should know to accomplish your goal in life. Les quatre bagailles nous besoin qu'on ait pour réaliser ou pour atteindre but nous ou bien objectif dans la vie. Four things you should know. First of all, stop blaming yourself. Suspend blame tête ou bien tête ou dit que
ou t'es supposé commencer à faire déjà ou que t'es trop temps passé. It's never too late. Li pa jam trop tard. OK? Li pa jam trop tard. So second, encouragement. Any little effort towards progress is good. Encouragement. Tout petit progrès qu'on fait, nous-mêmes nous supposons encourager. Très important. Qu'elle soit ça, qu'elle soit ça qu'on va régler dans la vie. You need someone that who's gonna be there for you to encourage you. And remember, technology, the réseaux sociaux, the social réseaux. You have to understand. You have to understand. Listen to those. Watch TV. The English speaker. This is very, very important. That's the only thing that will help you. Because you need your ears. You need to listen the good pronunciation. Very, very important. And my big question for you, why do you want to do it? Or why do you want to learn how to speak English? Gros question gen pou même, pour qui raison vous voulez faire sacrifice ça? Et pour qui raison vous voulez apprendre par l'anglais? Why do you want to learn how to speak English? Okay? Why do you want to do that? Why? Okay? So once you know the goal, so that means you are ready to do the sacrifice. Depuis que vous connaissez Buya, that means you are ready. All right. So, today's lesson, leçon pour aujourd'hui, we are going to see the daily things we use at home. Things daily use at home. C'est-à-dire que bagay que nous utilisons la caille nous chaque jour. Things that we are using or we use every day. This is the lesson we are going to see today. Things we are using every day. Such as. We can say such as or like. Ça nous est tel que kitchen, cuisine. OK? Kitchen, cuisine. Home appliances. Ça nous est électroménager. Et thème électroménager, ça veut dire que c'est toute bagaille qui servit avec électrique. Que nous utilisons dans la cuisine. Et puis ça nous est les ustensil. OK? Qui gagne tout un pile bagaille que nous utilisons dans la cuisine. Tant que cuillère, tant que fourchette, couteau. All right? So, these are those things we are going to see in our lesson today. All right? So, now, I will invite you. We are going to our classroom. Let's go to our classroom. Okay. Welcome back, guys. This is our classroom. So, we are going to see things that we use every day at home. Things we use every day at home. These are those things we are going to see. Okay? All right. So, hold on. All right. Here we go. This is my house. I don't know if you remember this from last week. This is my house. Okay? That was the lesson from last week.
This is my house. C'est ma maison. Ça, c'est kay moi. Ok, c'est quoi tu habites là? This is my house. Ça, c'est côté où habiter. Ça, c'est kay moi. Ok? This is where I live. C'est ici que j'habite. C'est là que moi habite. This is where I live. C'est là que moi habite. All right. So, now I am inviting you inside my house. Come on inside or come on in. Ça dit que c'est une invitation que me lancer à vous-même pour rentrer la caisse. Come on inside. C'est comme si ou gagne un monde qui vient côté ou pas veut quitter monde dans rester dehors ou dit monde come inside. Ou cap dit monde come in. You can say to the person come inside or you can say come on in. Okay? Next slide. All right. Kitchen. This is my kitchen. Kitchen. Ça c'est cuisine. La caille moi. Côté yo fait manger, moi fait manger, madame moi fait manger, petit moi fait manger. Kitchen. Cuisine. Cuisine. Kitchen. This is my kitchen. But there are too many styles of kitchen. So this one is one of the style. Kitchen. C'est-à-dire que you gain lot style de cuisine. Ça, c'est une style. I am going to show you another one, another type of style of kitchen. Here we go. That this is another style of kitchen. Okay? Kitchen, cuisine. I don't know if you are watching the program in your phone or your TV, but if you're watching it from your phone or from your TV, you will see something. Like we can call it a counter in the middle of the kitchen. Okay? And some chairs in front of it. Remember, that counter, that could be wood, that could be granite, that could be stone, anything. But this one by itself, they call it island. Okay, this one by itself, they call it island. And those chairs, the chairs you see in front of the island, they call it a bar stool. Okay, I'm going to repeat that again. This counter, the one you see in the middle of the kitchen, they call it island. And those chairs, they call them bar stool. The reason why they call them bar stool is that because it's a high chair. This is not a normal high for the chair because they made those chairs specially for this type of counter, or they call it bar. Okay, let's next slide. All right, so now you have another view of the island. This is the kitchen island. This is pretty much all the modern home has an island right now because this is most likely that's how people build. That's the way they build the house. Okay, so next slide. Okay,
This is an island. Alors, et raison fait, alors ça c'est peut-être opinion pas, mais raison fait, c'est un island. Island, c'est une île. En créole ou bien en français, son île. Or, you can call it countertop, un comptoir, côté où déposer bagay. OK? Si on regarde bien, on appelle là, an island, c'est il était capable de briller son en français de dire yon île, mais c'est un comptoir. OK, c'est côté où déposer et bagages qu'on a besoin, leur faire manger ou bien et comme t'ai montré tout à l'heure, des chaises yo, ça y a des bar stools. Those chairs are for this island. They are not the regular chair, the one you usually see, but this one, those type of chairs made for the island. Okay. As I said earlier. Okay, this is the definition of an island. So guys, you have to understand that. This is the trick English has, because you cannot interpret or translate English like word to words, because some words, it depends of the sentence, of the context of the sentence, it may mean something else. Okay, so what is an island? En français, nous avons dit qu'est-ce qu'une île? Qu'est-ce qu'un île y est? Et alors, pour le monde qui est passé dans longtemps dans l'école longtemps, où qu'on est, qui ça y dit qu'un île y est dans la géographie. So, même chercher définition pour en anglais. It is a piece of land surrounded by water. Ça veut dire que c'est yon terre qui n'a mis tant un paquet de l'eau. C'est ça yon île. An island is a piece of land surrounded by water. C'est yon terre qui n'a mis tant un paquet de l'eau. Alors c'est ça yon island. So, let's go back to the island, the kitchen island. Okay? This is the kitchen island. If you check it out very well, it is in the middle of the kitchen. That means all around that island, you see space. So that could be water. Okay? So this is my opinion. That might be the reason why they call it an island, because it is in the middle of the kitchen. All right? So, as I said, this is my opinion, that this is the reason why I checked out the definition for you, the meanings of an island. Okay? Now, we got the bar stool. Bar stool, you have a tabouret de bar. C'est-à-dire que c'est chaise ça, c'est style de chaise ça, que you mettez devant et comptoir, et tout le monde qui habitué dans restaurant ou capable wel li moun ki habitué dans restaurant ou capable wel et devant bar côté yo fait drink côté yo fait yo fait boire yo mix boisson yo. OK, c'est là moun ki habitué à Léo ou wel li. OK, c'est ça qui exactement qui relé yon bar stool. C'est une chaise qui antijan wo, parce que yo fait li d'une façon pour que et l'op chita ou pas gè trop problème pour chita et puis pas gè trop problème tout et l'ap servi ou pour capable manger ou bien ça. That's the reason why they call them bar stools. Tabouret de bar, son chaise pour chita devant countertop, devant yon bar. Okay, let's keep going. Okay, this is another style of bar stools.
this is another style of bastul because they got so many different type of style of those chairs that they call them a bar stool, tabouret de bar. Okay, now, if you are watching in your phone or in your TV or whatever you use to watch this program, this is a full kitchen. When I said a full kitchen, that kitchen, you see the bar stools, and you see the islands, what we call the countertop, that's the island, and you can see some plates, well prepared. They look very, very nice. That's pretty much you just sit down, and then if they're gonna serve you food, if you're gonna eat or not, because we see that this type of island, people use it if you have a guest come home. You don't need to take that guest to the living room. To the dining room, you just have the guest sit down while you are doing your stuff in the kitchen. That's pretty much, that looks like a family style also. Okay? Instead of having the guest all the way to the living room, you said, okay, have a seat. Sit down here. And we can talk while you are doing what you are doing. Or it depends of the person. That could be like some special guest. Because if this is a special guest, you may not feel comfortable to have the guest. It depends of the type of the guest to have that person sit while you are cooking. You can invite that person to your living room, because and then we can start the conversation, or we can start the dialogue, or we can start to talk. Okay? Next slide. All right, so now we are going to see the home appliances. I don't know if you, when you go to Home Depot, or if you go to Lowe's or Sears, or any place they sell home stuff, there's a department that reserved for home appliances. Okay, c'est ça, nous était capable de dire, et qui électroménager, qui en français tout bagaille. Et par exemple, for home appliances, let's name some. Refrigerator. Ça, nous-mêmes, les frigidaires. On fridge. OK? Frigidaire, we call it refrigerator. Or we can have a freezer. A freezer is a congelator. A freezer is son congélateur que lié. And we have the stove. Stove, son réchaud. And we have the oven. Oven, c'est fou. Côté où mettez macaroni gratiné ou bien vous faites bonbon, whatever. Microwave. Ça nous les micro-ondes, dans c'est en français. Mais nous toujours qu'un bel toujours, même non en créole, microwave. Ou bien dishwasher. Dishwasher, c'est côté vous lavez vaisselle, côté vous lavez et ou utilisez machine ça pour laver assiette qui sale. Et toaster. Et toaster, c'est ça qui gagne grill pour capable griller pain. Les gagne du feu, les gagne bagaille et c'est bail électrique. De vous pluguer li et puis les même li griller pain. Et puis vous joindre the laundry room, the washer, the dryer. Machine à laver. Et ça ou les séchoir, machine pour sécher radio. So these are the home appliances. Okay? So now let's go in details to those.
Yes, let's go in details to those. Okay. This is a fridge or refrigerator. Ça nous a dit, nous l'élé, on frigide, on réfrigérateur. Ça, c'est français à dire, on réfrigérateur. Ça, c'est un frigide. But I have to remind you, frigidaire, it's a brand. Okay? So, pour la petite histoire, raison faire tout haïtien relé on frigidaire ou frigidaire. C'est parce que premier style et réfrigérateur que t'es pas être là, c'est ton frigidaire maclatéier. OK? C'est ton frigidaire maclatéier qui fait que ouais tout le monde relé li frigidaire. But m'blé faire nous comprendre que frigidaire là c'est une marque que le téyé. C'est même Jean ou gen LG. Et ou gen Sony, ou gen paquet marque. Mais tout le monde relé li et frigidaire. OK? Mais naturellement si par exemple que et ou aller en France quelconque, ou pas t'entendre dire frigidaire. C'est soit dit réfrigérateur ou du moins yo capable et relé li nan nom que frigidaire si son LG fridge de can say OK open the fridge. OK open the fridge. Open the refrigerator. OK? I want you to understand that fridge, that's non français ou bien créole, là, c'est réfrigérateur. OK? Frigidaire, it is a brand. It's a name of a company that build those refrigerators, those refrigerator, and then they call it, they give it the name Frigidaire. So Haitian people, if Haitian people, because of that was the first brand or the first type of fridge that went to Haiti, that was a long time ago. So everybody keep on calling all the brand, they call them Frigidaire. Okay, next slide. This one is a freezer. Freezer, congélateur. A freezer, this is something that you put the thing, anything like to make ice or to conserve to put any frozen stuff. C'est ça le yon freezer. Haïtien tout le freezer tout. But son congélateur en français, c'est la donne au conservé et viande, au conservé un paquet de bagaille qui périssable, ou mettez en dedans freezer. It's a freezer. OK. A stove. Yon stove, c'est ça, nous te ka brûler la kayno Haïti, on réchaud. OK, your stove. If you're watching our image right now, or the photo, the stove picture that we have now, you see the top, that's a burner. The top, or this is a cook top. It's a burner, c'est côté et ou mettez chaudière, ou mettez bombe là, ou bien ou mettez bagaille quoi faire manger, ou mettez sous lit pour l'humain. Ou mettez le sous-réchaud pour l'humain. But they got so many style or so many type of stove. This stove, there is an oven in this stove. C'est ça, le four. Next slide, you're going to see it.
Here we go. So this is the oven. The oven, that's the one that's inside the stove. That's when you open the door, the stove door, and this is the oven. This is where you put your macaroni or your chicken or whatever you wanna so quand ça sort, vous mettez dans foie pour bagali ou mettez en dani. It is a stove. I mean, it is an oven. But usually, when you go into buy to buy appliances, you always call the old stuff. You call it a stove. Okay, but the stove has the oven inside. When you open it, you see the oven. That's where you put your chicken, you put your macaroni, and things you wanna cook. Next. All right, so this is another type of a stove. So as I said, they got so many style and type of stove and brand, it depends. So this one is a wood stove. Son réchaud à bois. Gan pile moun ki pa konnen ça. Et peut-être au capable ouais ça la caille moun au capable konn ça li son réchaud. Et it is a wood stove. Some wood stove they use it to cook food, and some wood stove they use it as we can call it as something to warm up the place. Because some old house, you can see those type of wood stove, but they're very, very dangerous. They're very, very dangerous because if you don't pay attention to them, the house can catch fire. You have to be careful while you're doing, if you are using the wood stove at home. But most likely, that's pretty much the old house. They got this, but the new model home, they don't have this because even the city may not give you the permit to have a wood stove at home because it is very, very dangerous to have a wood stove at home. Okay, so next slide. All right, this one, they call it, it's a coal stove. Like toku Haiti, ça nous le réchaud à charbon. Ça c'est un réchaud pour mon haïtien qui levé en Haïti depuis nous ça n'a de yawa son réchaud que lié. Alors c'est presque même fonction que l'utiliser toku stove que nous trouvait à l'heure. Man, nous avons brûlé ça son stove, mais nous avons un coal stove. Donc, réchaud Haïti, réchaud ça lui-même, son réchaud à charbon. OK? Son réchaud à charbon, réchaud ça lui-même. All right, this is the coal. That's même charbon. Nous avons brûlé pour les gens qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas charbon. Ou bien, monsieur, c'est ainsi. On va apprendre à parler anglais ou qu'on sa charbon. One, so they call it a coal. That's charbon. The spelling is COAL, coal. And also they got stone stove. They got stone. That's mean for the Haitian people. I don't know the old Haitian people. They know what does that mean. L'offer. Et wash du feu, leur lumière du feu, dans le temps, trois wash. One, son stone stove, fire. OK? Égal, et nous voyons que vous mettez chaudière ou bombe dans, sous trois wash du feu, et puis vous mettez bois en dedans. Et puis, l'abjoué, c'est même wall avec stove que nous avons ici, c'est même fonction remplie. Tout simplement, stove ici, stove ici à lui-même, li bagay la fumée, il
n'est pas dangereux. Alors, il est dangereux dans un certain sens, mais il n'est pas aussi dangereux tant que ça a lui-même s'oublier, lui, peut-être ça a du feu capable de bagailler. Alors, this is the reason why I check all those for you, just for you to understand and to make the difference, because it is important to know them, especially if you come from Haiti. You have to understand those stuff. Okay, microwave. Let's go back. There you are. Go back. So this one is a microwave. Go back. You guys, I'm pretty sure you know. Microwave, okay. This is one. So in French, they call it micro-ondes, but nous même I say nous still les microwave. Donc on est exactement c'est un bagay. This is a microwave. This is something that's very very fast. That's warm up food, warm up everything in 10 seconds, in 1 minute, 2 minutes, and then the things you warming up very well. And it's gonna be very very hot, okay? That's why. But they got different tap also. They got the countertop microwave, the one you just put in the counter, and they got the one that's this. They got another one that you put on top, or they call it underneath the cabinet. So they install this underneath the cabinet, most likely. On top of the stove, okay? All right, this one is a dishwasher. So machine qui lave vaisselle. It's a dishwasher. Instead of washing those dishes with your hands, but you use this machine to wash those dishes. Dishwasher. All right, this is the inside. You see, that's a loaded dishwasher. You got a lot of things inside that dishwasher. A toaster. A toaster. It's a grill à pain. Toaster, c'est un peu moins connu. C'est bagay où mettez et où mettez sur le grill à pain où mettez les là dedans. Okay, it is a toaster. Okay, this is another type of toaster. Okay, toaster. Okay, plates, assiette. Plates, assiette. Okay. Plate, assiette pour pluriel, et plate, assiette. Okay, sometimes people call make me a plate. Okay, make me a plate. Ça veut dire que maintenant, ok, retire un assiette pour moi, un assiette manger pour moi. Et, par exemple, si on mange qu'à faire, il dit, eh bien, pas ou offre mon est-ce qu'on mange? Il dit, ah, ok, pas un problème, retire un assiette pour moi. Ok? So, that means, give me a dish. No problem. Prepare a dish for me. Ok? Prepare a dish for me, or prepare a plate for me. So, that means this is the food. Ça signifie que assiette là, soit assiette manger. Que mon nando prepare a dish for me. Or you can go to the restaurant and they may ask you, what type of dish would you like today? Qui genre de manger ou ta armée manger jeudi? Ou man,
This is the reason why I said it is very important to understand the context, the meaning or the full sentence and what context we are talking. Because something, it depends on the context. He may have another meaning because of the context. Okay? If you see up here, that's a utensil. C'est ça, le utensil. Et qui signifie que vous pouvez avoir une cuillère, vous pouvez avoir une fourchette, vous pouvez avoir un couteau, vous prenez. C'est ça. OK. This one is a spoon. Spoon. Ça est le cuillère. Give me a spoon. Bon, mieux cuillère. OK. Give me a spoon. Pass me the spoon, please. OK, c'est cuillère, ça y est. It's a spoon. A spoon. Next. OK, this one is a fork. Ça le fourchette là. So we have to very, very be careful when you're talking about this type of utensil. The fork. Because some people by pronouncing it not too good or pronounce it bad, that could mean other stuff. Yeah, that could mean other stuff, especially for the F word. Like most people always say the F word, but you have to pronounce this one very well. This is a fork. All right. Can I have a fork, please? Okay. A knife. A knife. Son couteau. A knife. Un couteau. But we have different type of knife. Okay. This one is a knife. Un couteau. This one is a it's a kitchen knife. Ça son couteau de cuisine, but the other one was like a couteau table. What did I say? It's a couteau table. But this one, son couteau de cuisine. C'est couteau. This is a kitchen knife. This is a knife that we use when you're cutting meat, or if you're cutting like oranges or those things, because you need something sharp to do the stuff. All right, so this one is a knife, and it is a big weapon also, because if you're watching movies or if you're in danger, or someone get inside of your house, you can use one of the kitchen knife to defend yourself. Okay, it's a kitchen knife. It's a weapon also. A weapon. This is ça ou le zam. Okay, couteau cuisine, et c'est comme si son zam lié tout. Okay. Parce que si ou on de la cao, bien un monde qui rentre la cao, bien on vole, on baille quelqu'un qui rentre la cao, et sous des chances pour que tu aies un couteau d'av, un couteau pour défendre nous, ok? C'est couteau cuisine, ça y est, qui est très filé, ben que prend un truc très filé, on est capable de défendre avec lui. So this is the one they call a kitchen knife, a couteau de cuisine. Next. OK, butter knife, couteau à beurre, ça veut dire que ça c'est un petit couteau et tout petit que yo utilisé pour mettre beurre dans pain. That's why they call it a butter knife. It is a very small knife that they use to put butter in your bread, or to use it to put peanut butter or jelly in your bread. OK, that's why they call it a butter knife. It is a very small knife. Okay, now we go for glassware. Glass. C'est verre qu'on boit de l'eau. Okay, they call it a glass. Give me a glass. Okay, a glass. A glass of water. Most of the time we hear people asking for
Would you please give me a glass of water? A glass of water. So that means nyon ver d'lo. A glass of water. Give me a glass of water. Give me a glass of water. A glass of water. Most of the time people asking for a glass of water. May I have a glass of water, please? Est-ce que capable au moins un verre d'eau, s'il vous plaît? A glass of water. C'est ça, un verre qui est glace. Alors, c'est pas glace qui vite, OK? But glace, ça, c'est glace, ça est un verre. OK? Ou bien, on peut dire, c'est glace ou bien, tout le monde dans créole là, glace, là, dit mon bon petit glace, non? C'est un petit glace, c'est comme si vous m'avez dit, this is ice. Give me a small ice. Ice, glace, c'est ça que vous mettez dans de l'eau. It's a glass, you put the ice in the water. So, this ice, c'est le même, il y a un créole glace. OK, but this glass we're talking about et ver nous pas n'a parlé de verre d'eau au récipient verre côté pour boire de l'eau pour bagaille. OK, that's why they call it a glass. OK, this is a cup et ça une tasse là style ou utiliser le pour boire thé pour boire café, but they call it give me a cup of coffee. Et ça une tasse là, ça son cup, it is a cup. As you see, this is a cup and saucers. Ça sont tasse avec soucoupe. The cup, c'est tasse. Saucers, c'est soucoupe. Soucoupe là, c'est ça, vous mettez en bas. Donc, on voit, et moun kap servi moun, et surtout en Haïti, les ap servi ou, yon toujours mette yon bagay en bas. En bas vert ou bien en bas manger à saltaya, but ça lui même c'est un café qu'on ouais les moun a boire café m'a le montrer. OK, this is a cup of coffee. All right, you see that very well, it's a cup of coffee. You got the cup, you got the coffee, you got the saucers, and you got the teaspoon. Ou, c'est ça, ou gen une tasse café, ou gen tasse là, ou gen café a, ou gen soucoupe la ki en bas tas café a, et puis ou gen un petit cuillère. OK, et petit cuillère ça yole un teaspoon. Un teaspoon, c'est parce que c'est les mêmes que utiliser pour capable brasser café a, ou bien s'il trop chaud, ou du moins si vous mettez la donne, ou du moins si vous mettez sucre la donne. OK, this is the reason why we got that teaspoon. That teaspoon, we use it to stir the coffee if you're going to add milk or sugar. So, it's a teaspoon. They call it a teaspoon. It might be like for tea or for coffee. Okay? Here we go. This is a photo of teaspoon. Teaspoon. Okay? Ça, c'est une petite cuillère, une petite cuillère petit. Et le teaspoon. Teaspoon. Okay, now let's go to the cup. Ça, son gobelet. Et nous avons dit ça. Sous la photo, là, c'est un godet aluminium. Donc, j'en ai dit ça, son godet aluminium. Alors, un godet émaillé et tout. Mais ça, lui-même, c'est un godet aluminium. Okay, it's a cup. Still call it cup. Okay, this one is a plastic cup. All right, a plastic cup. Ça est le gobelet en plastique. Et qui est toute couleur, est blanc, est rouge. So most likely they use those cup in the party. If you have a party at home, you don't feel like using your good stuff, you go and buy those stuff to serve people. Okay, it's a plastic cup. So they got plastic cup and they got paper cup. All right,
This one is a paper cup. Ça y do, ça y lo, yon godé en papier, ou bien, on papier, on godé en papier, ou bien, yeah, as you said, a paper cup. Okay? So therefore, guys, that was all for today. So as we see today, for the English, that was a very, very good class. That we learned a lot. And I'm asking you to please send me or text me or tell me exactly. Send me a comment and what type of lesson and what would you like to learn for our next class. That would be great. So I would like to thank every one of you guys for watching this program. And I would like to say thank you to Mary Gina Nicola. Thank you so much for watching this program. And just to remind you, we are on for the English class every Thursday from 4 to 5. Every Thursday, if you want to watch our program, you can watch it or you can go online and check it out. So we are on Facebook, on YouTube, and Facebook, YouTube, and Instagram. So I would like to hear from you guys. I would like to hear from your feedback. And also, I would like to say thank you to Shirley Revenge. Shirley Revenge was watching us from Florida. Thank you to all our students, all our people, our brothers, our sisters. And who have been praying for us, who supporting us for this program. Thank you so much. And I think that's it. And I would like, we will see next Thursday for another program. So right now it is exactly 5 o'clock, 5 p.m. in our studio, Brockton, Massachusetts. Once again, thank you. Thank you for watching this program. Please don't be afraid. Please don't be shy. The best way to speak a language, you have to open your mouth. You have to talk. You have to... I know most Haitian people, they're afraid to say something. And I said that before in the program. I told you guys, don't be afraid. Unfortunately, some of us Haitian, we are ready to criticize. But however, we are not here to encourage. So myself, I'm here to encourage you. Don't worry about people going to criticize you. They will always criticize people. But however, if you listen to them, you will be discouraged. Don't listen to those people, to those negative people. And it is very important for you to keep on talking. Even though what you're going to say, even though it may not sound good or it may not be in a good sentence, but practice makes perfect. Keep on talking. Keep on speaking with your friends, especially if you have a kid at home. You are like little kid at home. This is very, very good and very important to keep on converse or keep on talking with your kids in English. That you will be surprised to see a lot of things you can learn from those kids. Don't be shy. Don't worry. Mistakes are made to be made. So c'est ça. Pas peur faire erreur. Pas peur faire rien. Parce que erreur est là pour faire. C'est l'offre de faire erreur, il corrige. Et puis, qu'on va apprendre de erreur ça. So, what is good about the American people, or we can call them the white people, when you made a mistake, they don't laugh at you. They repeat the phrase or the sentence or the words, the one you didn't say very well. They just say, pardon me, oh, excuse me. Oh, okay. You mean to say this. They repeat the sentence. They repeat the words for you. But
Unfortunately, our Haitian people, we laugh. We make fun of you. Okay? But don't, please, do your best to watch program in English. Do your best. All right? So, you can text me, 617-272-5380. Do you have any comment, any opinion? Please let me know. All right? Thank you so much. And see you next Thursday. Same time, 4 to 5 o'clock. Thank you so much. And may God bless you. Bye-bye. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais dans BCLC Kishita dans la cour Brockton. Numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais dans BCLC Kishita dans la cour Brockton. Numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebrockton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais dans BCLC Kishita dans la cour Brockton. Numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté
English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais. Dans BCLC Kishita dans la Coubocton, numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30, en direct dans Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là, partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais dans BCLC Kishita dans la Coubocton. Numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram. BCLC, Centre d'apprentissage communautaire de Brockton, a bâillé un cours anglais pour débutants. Chaque jeudi de 4h à 4h30 en direct dans Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram. Avec Pasteur Mathieu Delisme. S'il vous plaît, abonnez à la chaîne là. Partagez-le et dites tout le monde, venez apprendre à parler anglais dans BCLC Kishita dans la Coubocton. Numéro li c'est 617-272-5380 ou bien email bclcenter@gmail.com. C'est là qui gagne bon anglais. BCLC, Brockton Community Learning Center, a présenté English for Beginners every Thursday from 4 to 4:30 p.m. live on Telebocton, Facebook, YouTube, Instagram.